La coopération de l'ULB avec les universités partenaires au Sud me semble d'une importance fondamentale, d'abord parce qu'elle permet d'enrichir nos enseignements, d'enrichir notre recherche en amenant nos chercheurs, nos étudiants, nos enseignants sur des terrains différents, dans des contextes qui sont parfois extrêmement divers. Ça permet évidemment aussi de renforcer nos partenaires du Sud avec lesquels on peut échanger des savoirs, échanger des connaissances. Il faut reconnaître que certaines institutions du Sud ne disposent pas des moyens dont nous disposons pour pouvoir mener notre recherche. Je pense ici à des moyens techniques, à des équipements, et que ces coopérations permettent à ces universités partenaires d'accéder à toute une série d'infrastructures qui parfois ne peuvent pas leur être offertes dans leur pays d'origine. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est de se dire que ces institutions-là, nos partenaires du Sud, produisent depuis des années, depuis des décennies, des connaissances, des savoirs dans leur contexte local. Et que c'est très important pour nos chercheurs, nos étudiants, de se rendre compte que la connaissance telle qu'on la diffuse ici au Nord est parfois un peu formatée, qu'elle est parfois occidentalocentriste, et que parfois elle passe sous silence des compétences, des connaissances, des savoirs qui sont produits dans d'autres espaces du monde et qui ont tout à fait droit de cité dans le grand marché mondialisé de la connaissance. Pour améliorer la pertinence de notre coopération universitaire avec le Sud, moi j'entrevois deux grands défis. Le premier, c'est la valorisation au niveau de nos autorités académiques et au niveau des instances de validation de la connaissance de ce que peut véritablement apporter cette coopération. Cette coopération est trop souvent vue comme étant une activité mineure et les jeunes chercheurs hésitent à s'engager dans des projets de coopération universitaire qui sont très consommateurs en temps parce qu'ils craignent que ça ne se reflète pas suffisamment, que ça ne soit pas suffisamment pris en compte dans leur CV au moment des évaluations. Trop souvent, la coopération universitaire est encore classifiée dans la catégorie des services à la société que peut rendre l'université et n'est pas suffisamment perçue comme véritablement une source de connaissances, une source de richesse qui peut permettre d'élaborer des savoirs mieux construits, des savoirs plus inclusifs et donc d'améliorer véritablement notre recherche et notre enseignement. Le deuxième défi, à mon sens, c'est que cette coopération universitaire est souvent née dans un esprit un peu paternaliste, basé sur la conviction que le savoir est au Nord, que nous avons des choses à apprendre au Sud, que nous devons aider nos institutions partenaires du Sud. Et on néglige parfois, on néglige souvent, que le Sud a beaucoup à nous apporter, que des savoirs locaux ont été développés dans des contextes tout à fait particuliers et que ces savoirs-là sont tout à fait légitimes pour être entendus. On est aujourd'hui dans un contexte où la connaissance universitaire est extrêmement formatée, elle est souvent très occidentalocentriste, et dès lors elle néglige de prendre en compte des productions, des idées, des réflexions qui nous viennent d'autres espaces géographiques et qui peuvent être extrêmement importants pour la constitution de la connaissance sur l'humanité. Et je pense que l'ULB là a un rôle aussi à jouer important de passeur, de transmetteur, pour permettre à des idées, à des concepts, à des paradigmes qui sont réfléchis, pensés au Sud, de pouvoir avoir toute la visibilité qu'ils méritent dans le grand monde de la connaissance globalisée.